Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Poussière d'étoiles sur The Legend of Dragoon. On s'attaque à celle de Dono. Il n'y en a que deux, donc ça va être une vidéo très 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 courte, je tiens à vous le dire. Dans le deuxième CD, on va récupérer pas mal de poussière d'étoiles également. Vous allez voir surtout dans la ville de Fletz. Alors si je ne vous ai toujours pas présenté les poussières d'étoiles de cette ville, c'est que vous allez voir que lorsqu'on y retourne, on a accès au château, ce qui nous donne deux poussières d'étoiles de plus. Donc il y en aura 7 à récupérer en tout dans cette ville, si je ne me trompe pas, 7 ou 8. On verra ça de toute façon très bientôt, puisque je vais pas tarder à faire la vidéo. Alors la première poussière d'étoiles de Dono, vous la trouvez dans ce petit puits. Donc ce petit, ouais, cette petite flaque de puits en tout cas. Ici, il nous dit « Oh, dans l'eau ». Et là, on chope une nouvelle poussière d'étoile. Donc la 21e, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc, vous en avez juste une deuxième dans la maison du maire. Donc, c'est là-bas qu'on va aller tout de suite. Donc, c'est une magnifique ville. Hein. Celle-là, au niveau des plans précalculés, c'est vraiment magnifique. Toutefois, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à y faire. C'est une ville qui est relativement petite. Il n'y a pas énormément de personnes à qui parler. Donc, c'est vrai que la visite guidée, etc., ça a été assez vite. Donc, là, regardez, vous vous dirigez à gauche et ici, dans l'évier, vous avez une poussière d'étoile. Donc, là, il nous dit Wouah! Et une nouvelle poussière d'étoile, la 22e. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo annexe qui ne dure pas plus de 2 minutes. Je suis désolé. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous faire part de ces deux poussières d'étoiles qui sont à récupérer à ce passage précis du jeu. Quand vous reviendrez à Dono, bien évidemment, vous pourrez les choper. Je ne souhaitais pas spécialement faire les deux villes d'un seul coup. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo annexe. Merci de l'avoir regardée. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Dragoon. A toutes!